Acclamation, avec des cœurs pleins de joie. With hearts full of joy. Avec les cœurs pleins de joie. With hearts full of joy. Avec les cris de victoire, Jésus-Christ. 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 Merci. Jésus-Christ délivre. Jesus delivers. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. It is written that he sent his word and he healed them. La parole de Dieu opère des miracles. The word of God performs miracles. Si tu ouvres ton cœur, if you open your heart, pour la recevoir avec douceur, to receive it with gentleness, elle va entrer en toi. It will enter your heart, elle va opérer l'œuvre de Dieu en toi. And perform the work of God in you. Il est écrit. It is written. Recevez avec douceur. Receive with meekness. La parole qui a été plantée en vous. The word that has been planted in you. Tout ce que nous disons là, ça t'habite, tu as ça. All that we are saying abides in you. You have it. Quand nous proclamons, when we proclaim, ton cœur atteste, your heart attests, que c'est vrai, that it is true. Ça veut dire que la parole t'habite. It means that the word indwells you. La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. The law of God is written in your heart. Gravé sur ton cœur comme sur les tables de pierre. Engraved in your heart, on your heart, as on tablets of stone. Lis pour nous 1 Timothée 3, verset 7. Read for us 1 Timothy 3, verse 7. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Amen. 1 Timothy chapter 3, reading from verse 7. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Amen. Lis dans 1 Timothée 6, verset 9. Read in 1 Timothy 6, verse 9. 1 Timothée 6, le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. 1 Timothy chapter 6, reading from verse 9. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Amen. Lis 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Read 2 Timothy chapter 2, verse 26. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26.
et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 2, verse 26. And they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Amen. Lis dans Juges 2, verset 3. Read in Judges chapter 2, verse 3. Juges chapitre 2, le verset 3. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Amen. Amen. Judges chapitre 2, reading from verse 3. I read, and I have also said, I will not drive them out before you. They will become traps for you, and their gods will become snares to you. Amen. Ces versets nous enseignent. These verses teach us que le diable opère aussi avec des pièges, ou à travers des pièges. The devil also works through snares. Nous savons que le diable peut utiliser la ruse. We know that the devil can use trick. Il peut utiliser la séduction. He can use deceit. Il peut utiliser le mensonge. He can use lie. Il peut utiliser les oppressions, la violence, oppressions, la persécution, violence, persecution, la guerre, war, etc. etc. Ces passages montrent qu'il y a un autre moyen par lequel le diable opère les pièges. These passages show that there is another means whereby the devil operates, that is, traps. Le piège est caractérisé par cette capacité d'être dissimulé, mais d'attraper la victime. The traps can be characterized by this fact of being dissimulated, but to catch the victim. On n'expose pas les pièges. The traps are not displayed. On les dissimule. We dissimulate them. On les cache. We hide them. Quelle que soit la technologie, whatever the technology, mais on verra que le piège est caché. But we see that the trap is hidden. Mais efficace. But efficient. Et le Seigneur dit, and the Lord says, si les enfants d'Israël, if the children of Israel, cohabitent avec les nations qui sont en train de, que Dieu leur a demandé de chasser, live together with the nations that God requires them to cast them away. Ces nations seront des pièges pour eux. Those nations will be traps for them. S'ils ne réussissent pas, if they do not succeed, à les chasser, in driving them out, pour posséder tout le territoire, in order to possess the entire territory, les résidus, le reste, The remnant sera un piège. Will be a trap. Le reste ne sera jamais pour eux une bénédiction. The rest or the remnant will never be for them a blessing. Lis Josué 23, verset 13. Read Joshua 23, verse 13. Josué 23, le verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet
dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Amen. Joshua chapter 23, reading from verse 13. Then you may be sure that the Lord your God will no longer drive you out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land, which the Lord your God has given you. Amen. Les nations, the nations qui vont rester dans les territoires, that will remain in the territory, seront des pièges devant vous. Will be snares before you. Quand un frère veut se marier, when a brother would like to get married, un jeune, a youth, et que toutes les filles, and that all the girls qui l'attire, that he draws, he attracts, sont parmi les Philistins, are among the Philistines, il est mal parti. He has a very bad beginning. Il est mal parti. He has a very bad beginning. C'est-à-dire, il vit dans un territoire constitué de pièges. That is, he lives in a territory full of snares. Tu lui demandes, est telle sœur? Il dit non. Est telle autre? Il dit non. Mais c'est là-bas. You ask him. À l'église internationale centrale de puissance, etc. C'est là-bas que lui voit. You ask him, what about this sister? He said, no. What about that sister? No. But it is there at the International Church of Power. This is there that he sees. C'est la même chose aussi pour les sœurs. It is the same for the sisters. Le mariage. Marriage. Ton mariage, your marriage, sera un puissant piège dans les mains du diable. Will be a powerful trap within the hands of the devil. Tu ne pourras pas t'en sortir. You will not be able to sort out. Reviens dans 2 Timothée 2, verset 26. Let us come back into 2 Timothy 2, verse 26. De Timothée chapitre 2, le verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Quand tu tombes dans le piège du diable, when you fall into the trap of the devil, tu deviens un esclave. You become a slave. Tu seras comme une chèvre qu'on a attachée. You will be like a goat, a she goat that have been tied. Le diable t'a soumis à sa volonté. La Bible dit qu'il les a soumis. The devil has, relis encore. Has submitted you to his will. The Bible says that he has submitted them to his will. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. He has laid his hands on them, taken them to submit them to his will. Il faut bien regarder. You must watch well. Il faut bien regarder. You must watch well. Il faut bien regarder. You must watch well. Si tu veux te marier, if you want to get married,
Tu vas arranger quelque chose rapidement. Tu arranges une histoire. Tu dis, il faut venir saluer le pasteur. S'il te demande, est-ce que tu es l'enfant de Dieu, dis-lui que tu es en train de réfléchir sur ce que Dieu va te montrer, qu'il y a une vision. If you want to arrange something quickly, you go greet the pastor. You say, go greet the pastor. He will ask you, what is your vision? You say, no, I'm trying to work about that. Tu lui dis, si se lève, tu prends son sang. Il y a un vaillant là-bas, il s'appelle Théo Bernard. Il faut être son ami. If he stands up, you take his bag, and there is a mighty man there. His name is Théo Bernard. If he stands up, you take his bag, you get closer to him. Maman Colette aime la prière. Va au UMPJ. Tu t'assois devant. As Mom Colette loves prayer, go to UMPJ and you sit in the front. Tu as déjà raté. You have already failed. Tu es déjà dans le piège. You are already in the trap. Ce mariage-là, that marriage, fondé grounded par l'un des vices du diable, la ruse, by one of the sons of the devil through cunning, c'est mal parti. This is not well started. Un mariage fondé sur la ruse, a marriage grounded on cunning, et la malignité, and trick. Tu es déjà tombé. You are already fallen. Dans les pièges du diable. In the traps of the devil. On nous a raconté une histoire. A story was told to us. Au Gabon, un monsieur avait vu une sœur zélée in dans Gabon, une dénomination. In Gabon, a man saw a very zealous sister in a denomination. Il a fait la cour à la sœur a refusé. He ran after the sister, but she refused. Il s'est calmé. He cooled down. Il allait dans l'église. And he went into the church. Il a prétendu qu'il a cru. He pretended that he had believed. Et il était zélé. And he was zealous. Rapidement, il était auprès du pasteur dans son environnement. Very quickly, he was near the pastor in his entourage. Il a relancé. And he launched his file again. Le dossier était propre, apparemment. And apparently, the file was clean. Les vaillants encourageaient même la sœur. Mais c'est bon. The mighty man encouraged the sister. No, it's good. Et puis, la sœur a accepté. The sister accepted. Et ils se sont mariés. And they got married. Un samedi. On a Saturday. Dimanche. On Sunday. La sœur, après tout ce qu'il fallait pour que le monsieur fasse sa toilette et qu'ils aillent à l'adoration. The sister started getting ready so that they will prepare to go to the church service. Il était couché sur le lit, le pied croisé. He was lying on the bed with folded feet. La sœur lui demande, mais comment après toi on va aller? The sister asked, told him, what's up? Get ready so that we'll go. Il lui a dit, c'est toi que je voulais, je t'ai eu. And he told her, you are the one I wanted, I got you. Le reste là, ce n'était pas son affaire. The rest was not his business. Une histoire réelle. A real story. La sœur reçut un choc. The sister had a shock. Quelques années après, some years later, le frère qui nous avait raconté l'histoire pour la première fois m'a dit que on l'a appelé pour lui dire que cette sœur est décédée. Some years later, the brother, crise cardiaque, told us the story. Who told us the story said that he was called. They called him to tell him that the sister died. It's a heart attack. C'est toi que je cherchais. You are the one I was running after. J'étais vu déjà. Quelle prière encore? Quelle adoration? What prayer again? What worship? Elle était dans le piège. She was in the trap. Le piège du diable. The trap of the devil. Quand tu te repens, when you repent, les choses que tu ne veux pas abandonner, the things that you don't want to abandon, seront des pièges, will be some traps. Quand tu te repens, when you repent, les choses sur lesquelles tu discutes,
The things on which you argue seront pour toi des pièges. Will be for you snares. Après la vraie repentance. After true repentance. Si tu es vraiment quelqu'un qui a cru en Jésus. If you are somebody who really believed in Jesus. La communauté, l'assemblée où tu aimes adorer, où tu veux aller adorer, après ta vraie conversion, the community, sera pour toi un piège. The assembly in which you want to go to worship after your genuine conversion will be a snare, a trap for you. Il y a des gens qui viennent. There are people who come. Pasteur, délivre-moi. Pastor, deliver me. Nous sommes les enfants de Dieu. We are children of God. Nous ne pouvons pas refuser de délivrer quelqu'un. We cannot refuse to deliver somebody. Nous lui disons. We tell him. Tu vas te repentir. You will repent. Tu vas arrêter cette manière d'adorer Dieu. You will stop that way of worshiping God. Si tu n'as pas été délivré jusqu'à ce jour, if you have not been delivered up to this day, c'est parce qu'il te manquait telle chose. It is because you missed such a thing. Pourtant, tu pries quelque part. Yet you pray somewhere. Et des gens qui prient même beaucoup. And people who pray a lot. Mais ils ne t'ont pas délivré. But they didn't deliver you. Tu es venu. You came. Un premier conseil. A first advice, ça te met en contact avec Jésus. It takes you into contact with Jesus. Et tu es délivré. And you are delivered. Mais tu dis, but you say, je veux retourner, I want to go back, là où j'étais avant. In the place where I used to be. Ce choix-là, that choice, est un piège. Is a trap. Tu n'iras pas loin. You will not go far. La Bible dit, the Bible says, sortez du milieu d'eux. Get out of their midst. Et lis pour nous 2 Corinthiens. Read for us 2 Corinthians. Chapitre 6, verset 14 à 18. Chapter 6, reading from verse 14 to 18. Ce choix-là, that choice, est un piège. Is a snare. De tu es quelque part pendant des années, tu bois l'alcool, tu te drogues, tu te prostitues. You are somewhere for years and you take drug and you prostitute yourself. Tu rencontres quelqu'un. And you meet somebody. Et il te prêche l'évangile de Jésus. Preaches you the gospel of Jesus. Il te gagne à Christ. And he wins you to Christ. Tu es heureux. You are happy. Mais tu lui dis, but he tell him, je vais retourner chez mon ancien berger. I will go back to my former shepherd. Ce choix-là, that choice, est un piège. Is a snare. Tu n'iras pas loin. You will not go far. Lis. Read. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not be with the unbelievers under a foreign yoke. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Car, for, quel rapport y a-t-il, what is the relation between, entre la justice, between righteousness et l'iniquité, and iniquity. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou qu'y a-t-il de commun, what is there in common, entre la lumière et les ténèbres? Between light and darkness. Pourquoi tu veux rentrer là-bas? Why do you want to go there? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? What attracts you there? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? What agreement is there between Jésus et le diable? Est-ce que c'est possible? Jesus and the devil, is it possible? Tu as déjà entendu qu'il y a une réconciliation entre Jésus et Satan? Have you ever heard that there is a reconciliation between Jesus and Satan? Continue. Go, continue. Où? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bon, laissons même les gros mots, le diable, les démons. Bon, tu es fidèle. Où est le rapport avec celui qui boit la bière, qui insulte les hommes? Let us put aside big grammar, big words, the devil, sin, but you are a believer. What is there in common between you and the one who is an unbeliever? C'est-à-dire, laissons les idées. Voyons maintenant toi-même, ta tendance naturelle. Let us see your natural tendency. Pourquoi aimes-tu les querelles? Why do you love quarrels? Tous ceux qui aiment la paix, tu les fuis. All those who love peace, you flee from them. L'infidèle. The, un,
the unbeliever. En mariage avec l'infidèle. In a marriage with the believer in a marriage with an unbeliever. Ce n'est pas bon. It's not good. C'est une mauvaise union. It is a bad union. Si vous, même pour rentrer à la maison. Even for you to go back home. Que après un enseignement. And after a teaching. Tu dis à un frère, attends-moi, on va rentrer ensemble. Tell a brother, wait for me, we'll go to back together. Si on cherche qui est ce frère. If we seek to know who is that brother. Si ça ne va pas dans sa vie. If it is not well in his life. Un frère, un berger, un bon berger va te demander que mon frère. Tous ces frères, c'est celui-ci que tu as choisi pour rentrer avec toi, causer en route. A good shepherd will ask you, among all these brethren, is it this one that you have chosen to go back together and chat together on the way going? Vers les années 82. By the years 1982. Non, dans les années 84-85. 1984-1985. Il y avait un frère. There was a brother. On rentrait toujours. We always go back. Parce qu'on était presque dans le même quartier. Because we were in the same. Quand l'enseignement finit, tout tu vois ça comment? Il fait des commentaires détournés. When the teaching finishes, he calls me and says, "How do you see that?" And he makes distorted commentary. Et nous sommes dans un taxi. And we are in a taxi. Parfois, je lui dis non, c'est bon, c'est bon. Sometimes je ne veux pas que les païens écoutent ce qu'il dit. Sometimes I tell you, no, it's okay, stop. I don't want the unbelievers to hear what he's saying. It's good. Chaque enseignement. Every teaching. Et vous savez. You know. Ici, là, laissons même le Yaoundé. Here, let us leave aside Yaoundé. Quand je dirige une croisade, when I lead a crusade, je prends la parole à 13h. I take the floor at 1 p.m. Je marche, je n'ai pas prêché assis, je marche jusqu'à 20h. I walk up to 8 p.m. C'est-à-dire, je prie, je dirige, j'enseigne d'abord et puis je dirige la prière. I first teach and lead the prayer. Je fais les délivrances. I make deliverances. On finit à 20h. At 8 p.m. Donc, qu'est-ce que je faisais? So what did I used to quand do? Je dois déjà prendre la parole, je vais aux toilettes pour me mettre à l'aise, pour ne pas solliciter les toilettes pendant tout le ministère. Before I take the floor, I go to the toilet, into the restroom. So that all along the ministry, I will not need to go to the restroom. Le frère Paul, le frère Jocelyn Cabran m'a dit que là, quelque part là, quelqu'un disait que tu vois, il, ça, quand il s'en va comme ça, il peut prendre la puissance. quand que vous voyez, il s'en va maintenant prendre la puissance comme ça, il va revenir. In this, somebody told brother Jocelyn. Il disait à quelqu'un. Told me that somebody was saying it. Pardon, that you see, now he's going there to take his power before coming. Vous voyez, les voisins de chaise là. Your neighbors. C'est un piège pour lui. This is a snare for him. Quand c'est comme ça, à la pause, tu quittes. When it's like this, at a break time, you leave him. Parce que c'est un autre esprit. Because it is another spirit. Ça veut dire, il ne craint pas. Il veut aller à l'enfer. Il dit tout simplement qu'il aime le diable. That is, he does not even fear. He wants to go to hell. He's telling us simply that he loves the devil. Gloire à Dieu. En fait, il n'était pas seul. Il y a plusieurs personnes qui se posaient ces questions-là. Donc lui, il a eu le courage de m'approcher pour me dire que plusieurs personnes se posent des questions. Et sans doute, les gens murmuraient entre eux que pourquoi chaque fois que le pasteur Béni doit prêcher avant que les semaines prennent la parole. Il sort des rangs et il va là-bas. Il s'en fait quoi là-bas? Bon, donc je lui ai dit non, j'ai voulu lui répondre sur le champ pour que ça évite les problèmes. Donc, c'est ça. Merci. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est loin de nous? C'est ici. Is it far from us? It is here, even here. Et on m'a rendu témoignage que
pendant les intercessions, gave me the testimony that during the intercessions, quand les vrais frères sont perdus dans la prière, when the genuine brethren are lost in the prayer, il y avait une maman, c'est-à-dire genre que si elle arrive, tu te lèves pour qu'elle s'asseye. There was a mommy, the kind that if you come, seeing her age, you will stand up and give her the floor. Elle est là, au nom de Jésus, la main dans le sac d'une autre sœur. She said, in the name of Jesus, hand in a bag of another sister. Dans la prière. During the prayer time. Et ça n'a rien à voir avec l'Église. This has nothing to do with the church. Nous devons être sages dans le monde. It means that we must be wise, being in the world. Pour savoir que quand on convoque les rencontres, for you to know that when we summon the meetings, les voleurs vont venir dedans. The thieves will come also. Les satanistes vont venir. The satanists will also come. Si un miracle, il te dit que ça, c'est en Égypte qu'on prend ça. If there is a miracle, he will tell you that this, we go and take this power in Egypt. C'est le diable. It's the devil. Vous savez. You know. Jésus a dit que si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Jesus said that if somebody sins against the Holy Spirit, he will never again be forgiven. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il y a eu un jour où la puissance de Dieu était tellement grande. When the power of God was so great, la Bible dit que Jésus avait guéri beaucoup de malades, purifié les lépreux, chassé les démons. The Bible said that Jesus that day healed a lot of sick and cleansed the lepers and cast out demons. Ce jour-là, that day, tous les Juifs avaient cru. All the Jews believed. Et ils disaient que c'est lui le prophète. And they said that he is the prophet. C'est aussi ce jour-là. It is also that day que les pharisiens se sont levés. That the Pharisees got up. Pour dire que tout ce que vous avez vu là, il fait ça avec le doigt de Beelzebul, le prince des démons. Ce n'est pas Dieu. And they got up to say that all that you see, he's doing this with the power of Beelzebub. It's et, not God. Et Jésus a dit, and Jesus said, vous ne serez jamais pardonné. You will never be forgiven. Tous ceux qui ont dit ça ce jour-là, all those who said it that day, ce jour-là, that day, ils étaient déjà prêts pour être jetés dans le lac de feu. They were already ready to be cast into the lake of fire. C'est le jour où les pharisiens se sont opposés universellement et publiquement contre la gloire de Dieu. It's that day that Pharisees opposed universally and publicly to the law of God. C'est ce jour-là. It is that day. Les gens disaient que non, c'est lui le Messie, c'est lui. People say that lui. No, he is the Messiah. He is the Messiah. Et c'est aussi ce jour-là. It's also that day. Que les pharisiens. That the Pharisees. Dont nous connaissons les desseins. That we know their purposes. Se sont levés. Got up. Pour dire au peuple, non, ne croyez pas à tout ça. To tell the people, no, do not believe all this. C'est vrai, il a fait tout ça, mais il travaille avec le prince des démons qui s'appelle Beelzebul. He works the prince of demons whose name is Beelzebub. Ah bon? Oui. Yes. Oui. Yes. Et leur foi est morte. And their faith was dead. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce que je voulais dire? What do I mean? Ton voisin. Your neighbor. Parle quelle langue? What tongue does he speak? On dit consécration à Dieu. Il dit we say consecration to God. He says. On se consacre toujours. Oh, et toi, tu fais ça comment? We also always consecration. C'est chaque jour, non? It's every day, no? Oui. Yes. Tu te concentres, tu bouscules. You are concentrated. He would hustle you. Écoute, ce verset, je le connais, j'avais médité dessus. Listen, that verse, I know it, I meditated on parlé. It. God spoke to me. Tu vois, quand tu lis ce verset, when you read that verse, pardon, c'est he bon. Said, wait, please, it's okay. Il dit, regarde. He said, look. Il ouvre la Bible, il te montre ce verset souligné. He shows you that verse underlined. Pendant ce temps, in the meantime, tout ce qu'on dit, tu ne comprends rien. All that we are saying, you understand nothing. Tu as un mauvais voisin. You have a bad neighbor. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu pointes du doigt sur un problème crucial qui est en train de miner l'Église, Seigneur, le choix dans le mariage. Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, Seigneur, nos frères ont les regards portés de l'autre côté de la rive. Pendant que tu as béni l'Église avec des princesses. Mais ils veulent porter leur choix, Seigneur, de l'autre côté, Seigneur. Et quand tu les exhortes, Seigneur, ça devient des crises. Oh, Père éternel, quand ton serviteur a touché ce point, je t'ai content parce que, Seigneur, ma prière est que les frères comprennent que le mauvais choix dans le mariage te conduit directement à l'enfer, Seigneur. Le choix de la femme est proportionnel à ton devenir. Je prie que chaque frère ait une compréhension divine pendant que le pasteur est en train de nous parler, Seigneur. Que s'il a mal choisi, qu'il comprenne qu'il a aussi décidé là où il va finir les jours de sa vie, Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, délivre-nous des faux choix, des faux mariages dans l'Église. Bénis chaque frère avec la capacité de demander à Dieu lui-même de donner la femme qu'il faut pour le bonheur de sa propre vie, Seigneur, s'il te plaît. Oh, notre Père et notre Dieu, aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que tu m'as donné la femme qu'il faut. S'il te plaît, je prie pour chaque frère, ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur. Oh, Dieu, Seigneur, que tu les visites afin qu'ils ne fassent pas le mauvais choix pour regretter, s'il te plaît, Seigneur. Je vais encore te dire merci parce que tu as touché un problème crucial. Sur des personnes qui aiment toujours avoir des commentaires sur l'enseignement, Seigneur. Qui ont toujours de quoi dire. Qui veulent toujours corriger l'enseignement, Seigneur. Épargne-nous de ces personnes, Seigneur. De ces hommes méchants qui viennent dans le but de créer la confusion dans l'esprit de nos frères, Seigneur. Que chaque frère ait ce discernement, cette capacité avec sagesse de se retirer de ces mauvais gens, s'il te plaît, Seigneur. Je prie que pendant que le pasteur est en train de nous exhorter sur ce point, que chaque frère soit concentré, qu'il saisisse et qu'il comprenne qu'il est en danger. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous de ces méchants hommes, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup, merci, Seigneur. Le diable utilise les stratégies, des stratégies variées pour nous empêcher d'avancer, Seigneur. Il utilise au milieu de nous des frères. Il utilise hors de l'Église certaines personnes. Mais tu mets un accent particulier sur les frères au niveau de l'Église. Seigneur, permets que nos yeux s'ouvrent pour comprendre ces vérités qui sont fondamentales, irréfutables pour nous. C'est vrai, Seigneur. J'ai été témoin vivant de ces choses. Mais Seigneur, tu m'as protégé, tu as protégé mon cœur. Parce que j'avais saisi la parole que tu m'avais donnée à travers le pasteur Boniface Meunier. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tous ceux ou celles qui sont en train, oh Dieu, de chercher à se marier, soient protégés au nom de Jésus-Christ contre les roues ravisseurs, contre les hommes méchants
contre les faux frères. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des faux frères au milieu de nous. Tu détournes les enseignements pour aider le diable à détruire les frères. Nous plaidons, Seigneur, que tu le fasses pour nous. Oh Dieu, pendant que nous sommes ici, permets que ces paroles tombent dans le cœur des frères qui ne sont pas encore ici. Tu comprends ces paroles comme un bout de sauvetage, afin de se dégager des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de nous faire comprendre que pendant nos rencontres, l'ennemi envoie des Philistins parmi nous pour détourner tes enfants, Seigneur, pour les égarer. Nous prions, Seigneur, que chaque frère soit habité par le discernement afin d'identifier les Philistins et de les rejeter, Seigneur. Nous prions que dès ce jour, chacun de nous soit vigilant, Seigneur, afin d'identifier les Philistins, les faux frères, et détruire leurs œuvres parmi nous, Seigneur. Nous te prions d'agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, nous supplions ta grâce à l'endroit de notre jeunesse. Nous prions pour le message que nous sommes en train d'entendre. Bénis ton peuple avec l'humilité. Oh, donne à chaque disciple de se soumettre, Seigneur, aux enseignements et ce qui est fait au sein de la CMCI. Oh, donne-nous un grand discernement afin de paître le troupeau, Seigneur, dans la crainte de Dieu, Seigneur, afin de démasquer les plans et les ruses du malin à notre sein. Oh Dieu, donne à chaque jeune de considérer chaque mois, chaque année de sa vie chrétienne, de la prendre au sérieux, afin d'être assidu aux rencontres de l'Église. Père, nous te supplions d'aimer l'enseignement de nos dirigeants, de la haut jusqu'au moindre. Père, nous te supplions, afin de démasquer ceux qui s'infiltrent au milieu de nous pour renverser l'évangile de Christ. Père, nous supplions, nous plaidons. Je prie encore pour la jeunesse, j'insiste. Pour ceux qui veulent se marier, oh Dieu, qu'ils se laissent conduire par ton esprit, Seigneur. Donne du discernement aux frères comme aux sœurs. Oh, d'être vigilant. Un frère qui veut se marier, tu ne passes pas par les normes, Seigneur, que le frère ou la sœur abandonne le dossier. Mais nous te supplions, Seigneur, nous voulons une église glorieuse. Accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me posais beaucoup de questions concernant le mariage. Je me demandais si un jour je vois une femme du monde, que dois-je faire? Aujourd'hui, tu ouvres mes yeux en disant que les ténèbres n'ont rien en commun avec la lumière. Ô Père, je bénis ton nom pour ta parole. Aujourd'hui, tu dévoiles mes yeux et tu orientes mes pensées. Père, merci Seigneur pour cette compréhension. Merci Seigneur pour cette déclaration, Seigneur, pour cette direction que tu me donnes. Oh Père, je prie pour que tous mes frères puissent comprendre cette parole que tu as déversée aujourd'hui. Je bénis ton nom et te rends toute la gloire pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis infiniment merci de ce que tu connais nos besoins, Seigneur. Merci beaucoup de ce que, oh Dieu, lorsque j'ai changé avec la soeur hier, son fardeau est que on me présente et j'ai eu à lui dire, soeur, mon souci ce n'est pas le mariage, mais c'est le fou mariage que je vis. Elle était dépassée du fait qu'il y avait le fou mariage dans l'église. Merci beaucoup, oh notre Dieu, de ce que tu réponds à nos fardeaux. Éternel notre Dieu, je prie que tu ouvres les cœurs afin que chaque frère ici et chaque sœur comprenne que le problème ce n'est pas d'être marié, mais d'être marié. Oh Dieu, pour ta gloire, Seigneur, je te supplie, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que je m'appelle
Jean-Claude Dumien, je suis disciple du pasteur Boniface Meunier et je suis le dirigeant Macro Trècheville. Je suis Jean-Claude Mian. I am Jean-Claude Mian. Je suis disciple de pasteur Boniface Meunier. I am a disciple of Pastor Boniface Meunier. Je suis le dirigeant principal. I'm the principal leader de la zone spirituelle de Macro Trècheville. Of the spiritual zone of Macro Trècheville. Et il y a de cela plusieurs années en arrière. And many years ago. En 2004 précisément. In 2004 precisely. Je faisais partie de la jeunesse. I was part of the youth. Et c'était pas, en ce temps, c'était pas le pasteur Louis qui était le président. And in that time, it was not yet Pastor Louis who was the president. Je rappelle que le premier président c'est celui-ci. I remember. Je rappelle que le premier président de la jeunesse. I remember that the first youth president was le pasteur Jean Goba. Pasteur Jean-Paul Goba. Ici. Et en ce temps, in that time, c'était le frère Paulin qui était là. It was Brother Paulin who was there. Et nous avons fait une rencontre de la jeunesse. And we had a meeting of the youth. C'était au centre à Kumasi. At the center in Kumasi. C'était là-bas que le pasteur Meunier nous dirigeait. It was there that Pastor Meunier used to lead us. Quand nous avons fini la rencontre, when we finished the meeting, le pasteur Paulin m'a dit, regarde. Pastor Paulin told me, look. Frère Mian. Brother Mian. Tu n'es pas encore marié, regarde. You are not yet married. Look, look. Donc je regardais. So I was looking, I was searching. Je regardais les sœurs. I was looking at sisters. Il a tiré mon attention. And he drew my attention. Il dit, regarde, celle-là, parle bien. Look at this one. She sweeps well. C'est une vaillante palais. She is mighty. She sweeps. Elle était en train de parler, effectivement. And she was sweeping. Et elle nous regardait. And looking at us. En ce moment, at that time, j'avais déjà passé un concours. I'd already et le passed le Seigneur m'avait accordé le succès. And I succeeded in donc the moi, test. Donc moi, je travaillais sans penser au mariage. So I was working without even thinking to et, marriage. Et le frère m'avait dit non de penser à ça. And the brother told me to think about maintenant, it. Maintenant, la sœur en question. Now the sister he was talking about. Que le frère Paulin disait qu'elle est vaillante, je vais travailler sur elle. The sister, he was saying, elle she sera, is mighty, elle, I will work with her. Elle sera vaillante tout de suite, tu vas voir. She will be mighty on the spot here, you will see. Donc, charnellement, so carnally, j'ai commencé à la regarder. I started looking at the sister. Et puis un jour, and one day, je suis allé dire à mon frère d'ici. I went to tell my disciple maker, d'alors, my then disciple maker, fais attention, fais attention. Pay attention. Les pièges, the snares, dont le pasteur est en train de nous parler, the pastor is talking about, existe bien, exist indeed. C'est comme ça, it is like that, que j'ai commencé à la regarder. It is this way that I started looking et at je suis allé dire à mon frère disciple, and I went to tell my disciple maker, que voici, that here is, on m'a présenté une sœur, I've been introduced to a sister, aller chercher Dieu. Sans aller chercher Dieu moi-même. Without going to seek God, on m'a présenté une sœur. I've been introduced to a sister. Je pensais, c'est une bonne sœur, elle travaille bien. I thought it was a good elle sister. Était train de she worked well. Elle était en train de balayer. She was sweeping. Et mon frère ici m'a dit. And my disciple ici, là, told me. On va à la retraite pour chercher les sœurs. Here we go on retreat. Va à la retraite. To look for sisters. Go on retreat. C'est là que je suis parti à la retraite. It is then I went to retreat. À Kumasi, il y avait une maison de retraite. It was at a house of retreat in Kumasi. Elle m'a dit de faire 3 jours. She told me to spend 3 days there. Dans le jeûne. In fast. Donc je suis allé. So I went. Le premier jour. The first day. Elle dit que le Seigneur va te parler. She told me the Lord is going to talk to you. J'attendais que le Seigneur me parle. So I was waiting for the Lord to talk to me. Je n'attendais pas la voix du Seigneur. But I heard nothing. Deuxième jour. The second day, il n'attendait pas la voix du Seigneur. I did not hear the Lord, the voice of the Lord. Pasteur Meunier disait, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous parle. Since Pastor Meunier told us, the Lord speak to us. Je cherchais que le Seigneur me parle. So I was waiting for the Lord to speak to me. Mais le Seigneur me parlait pas. But he was not talking to me. Je pensais j'allais entendre une voix audible. I thought I would hear an audible voice. C'est ta that femme. Here is your wife. This is your wife. De la nuit. From the night. Parce que je m'ennuie maintenant. Because I. Après avoir prié pendant longtemps, je m'ennuie maintenant.
Je m'ennuyais maintenant. J'étais ennuyé. Because I was being confused now. Donc je voulais que qu'on fasse rapidement pour aller dire à mon frère que je n'ai rien vu. So I wanted time to spend quickly. Du deuxième au troisième jour. So it is from the second to the third day. J'ai fait un songe. That I had a dream. Mais ce songe était clair. A clear dream. Je n'avais jamais de relation avec le pasteur Boniface Meunier. I had no relation. I never had a relation with Pastor Meunier. Moi, je le voyais de loin. I saw him from afar. Je le saluais même pas. I didn't even greet him. Et puis, dans le songe, and in the dream, il est venu vers moi. He came to me. Il dit, frère Mien. And said, brother Mien. Bon, il connaissait pas mon nom, mais il a prononcé mon nom. He did not know my name, but in the dream, he pronounced my name. Show me your fiancé. Je lui ai dit, la sœur en question. And I said, the sister. Paul a dit, voici la sœur qui est là. Ça dit que je lui ai dit, voici la sœur. I told him, here is the sister. Il a dit, non, c'est pas elle. He said, no, it's not her. C'est quoi celle-là? Et puis what is that? And he went. Et il est parti. And he went. He left. Jésus Christ. Donc j'étais étonné. Jesus. So I was surprised. Paulin, mon ami. My friend Paulin. Il passait. Was passing by. Il lui a dit, voici la fiancée. Il dit, hey, c'est pas elle. And I told him, this is my fiancée. Lui, il a dit la même chose. And he said the same thing. No, it's not her. Il y avait un frère. There were another brother. Il s'appelle Sylvain. His name was Sylvain. Lui aussi, il parlait de tout ça là. He was also talking about all quand these je things. Lui ai présenté, dit, ça là, when I introduced him, et puis, je me suis réveillé. And I woke up. Mon frère, et puis, je n'ai pas dit à mon frère. And I did not say it to my bon, disciple maker. I even forgot. Elle m'a dit, mais tu avais fait une retraite pour she ça. She told me, you went on retreat for that. Je savais que c'était pas la sœur en question. I knew it was not the sister. Et je lui ai donné le songe. And I explained the dream to her. I told her what elle I saw. Elle a dit. She said. Si le pasteur Boniface t'a dit. If Pastor Boniface told you. Que ce n'est pas elle. That it is not her. C'est que c'est pas ta femme. Then it is not your wife. Oublié. Forget about her. Mais ce que je voulais dire. But what I wanted to say. Les jours tu suivais. That the following days. Elle était quelque part. She was somewhere. Alléluia. Alléluia. Ça dit qu'elle n'était pas, elle était loin. She was far. Elle avait rétrogradé. Elle était loin. Elle était loin de nous. She was far from us. She had backslidden. Parce que les gens déposaient les voitures pour la prendre pour aller. Because people came with cars to take her and go. Elle a rétrogradé. She had backslidden. Elle avait rétrogradé. She had backslided. Elle n'était pas, elle était là. She was there. Mais elle était loin. But she was far. Supposons que c'était avec elle. Let's suppose that it was with je her. Je ne serais pas un ancien. I would not have been. Ça c'est clair. Elder. It is clear. Parce que mon épouse. Because my wife. A été beaucoup pour moi. Had done much for me. Parce qu'elle vivait chez le pasteur. Because she was living et at the pastor's house. Je vous rappelle. And I recall you. C'est le pasteur Meunier. That it is Pastor Meunier. Il avait dit non, ce n'est pas ta femme. Who told me no, this is not your wife. Il avait vu ça clairement. I saw it clearly. Que ma femme c'est celle-là. And my wife is this one. Je ne lui avais jamais rencontré le songe. I had never told him the nous dream. Nous étions à une rencontre. We were at a meeting. Chez lui à la maison. At his house. En 2004. In 2004. Il avait délocalisé son plan d'attaque. He had changed his plan of attack. Chez lui à la maison. At home. Aux deux plateaux. In deux plateaux. C'est là-bas. It is there. Pendant qu'on est en train de prier. While we were praying. Parce que les deux ponts étaient coupés, les deux ponts étaient occupés par l'armée française. Because the two bridges were occupied by the French army. Il avait délocalisé la prière, il fallait qu'on prie toujours. So he has displaced the prayer place. Et il nous a dit. And he told us. Il n'y aura rien, frère. There will be nothing, brothers. Everything will be peaceful. Il a reçu and he had received que mon épouse that my wife was this one. La sœur Fanta. Sister Fanta. Elle était assise à côté de moi. She was seated next to me. Pendant la prière. Pendant la prière là-bas chez le pasteur. That day, she was sitting next to me during the prayer. Je ne la connaissais même pas. I didn't even know her. Donc dégage-toi des pieds de l'ennemi. So free yourself from the snares of the enemy. Ne prends pas tout ce qui brille. Don't look at what is shining, all that is shining. Et de l'or. Don't believe that all that glitters la is gold. La dernière chose. The last thing. Et je vais sortir par là. And I will end there. Il y avait un pasteur. There was a pastor. Il était avec nous. He was with us. Et quand les brebis vont à l'enseignement.
And when the sheep go to the teaching, Lui partait aux enseignements suivants. He often went there. Mais un peu rarement. But seldom, seldom. Il dirigeait une assemblée. He was leading an house church. Quand les brebis vont à l'enseignement, when the brethren went to the teaching, il a dit, qu'est-ce que vous partez he told them, what are you going to do there? Je vais vous donner l'enseignement, restez à la maison. I will give you the teaching. Remain at home. Il faisait ça. He was doing this. Une autre fois, another day, pendant qu'on renversait les idoles, les renversait as we were overthrowing idols, le pasteur était en train de commander ça à Djamé. And the pastor was. Avant de venir à Tiekwa. Before we came to Atiekwa, we were praying in Ajame. Il disait aux membres de son assemblée. He would tell the member of his assembly. N'allez pas là-bas. Don't go there. J'ai déjà tout. I've already everything. Ce qu'il a donné là, ce qu'il a donné comme enseignement. What he gave as teaching, the teaching he gave. J'ai déjà travaillé dessus. I've already worked on it. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? What are you going to do there? Avec ce Camerounais là. With that Cameroonian. Il dirigeait nos assemblées. Il était parmi les dirigeants principaux de nos assemblées. He was one of the principal leaders of our assemblies. Mais il était en train de détruire les brebis. But he was destroying the sheep. Donc fais beaucoup attention. So pay attention. Même si c'est un ancien, even if it is an elder, qui te parle, who is talking to you, qui ne vient pas de Dieu, if he does not come from God, free yourself from that snare. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. It is what the Lord is telling à us. À travers le pasteur Boniface. Through Pastor Boniface. Que le Seigneur soit béni. May the name of the Lord Amen. Be blessed. Amen. Corinthiens 15, 33 à 34. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 à 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15, reading from verse 33 to 34. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you off and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. And I say this to your shame. Amen. Les mauvaises compagnies, evil companions, constituent un puissant piège, are a mighty trap. Dans le piège, l'occasion de chute est dissimulée. In the trap, the opportunity to stumble is hidden. Ça veut dire qu'il est difficile de savoir que si qu'on va tomber parce qu'on marche avec telle personne. Because it's very difficult to know that you are going to fall because you walk with such or such person. Généralement, on pense qu'on est fort. Generally, you think that you are strong. On peut même dire qu'on va transformer la personne. You can even say that you will transform the person. Donc, tu ne doutes pas de toi-même. So you do not doubt about yourself. Quand on conseille quelqu'un, un jeune homme, when you advise a young man, on lui dit, tu marches avec telle et telle personne, ce n'est pas bon. You tell him, you walk with such and such person, it's not good. La personne justifie en se disant, non, on ne peut pas me tromper. The person justifies saying that I cannot be deceived. La question n'est pas est-ce qu'on peut te tromper. The matter is not is it possible to deceive you? Nous pouvons te concéder cette assurance, cette foi-là que tu ne peux pas tomber. On est sûr de toi, on te fait confiance. We trust you. We may trust you that you are sure of yourself, you cannot fall. La question c'est, the matter is, est-ce que tu peux tomber dans un piège? Can you fall in a trap?
La question n'est pas est-ce que tu es fort. The issue is not are you strong. Si quelqu'un te dit tu es faible, tu peux lui dire non, je suis fort. On va accepter. If somebody tells you that you are weak, say no, I'm strong. We'll accept it. Le piège étant une dissimulation, est-ce que tu as la connaissance divine pour savoir que je ne dois pas poser le pied ici? The trap being something that is hidden, do you have the divine revelation or intuition that I should not set my foot here? Tu peux tomber dans un piège. You can fall in a trap. Donc, il faut être prudent. So, you must be cautious. Jésus a dit, soyez sage. Jesus said, be wise. Soyez prudent. Be cautious. Prudent. Cautious. Les mauvaises compagnies, the evil companions, corrompent les bonnes mœurs. Corrupt good characters. L'être humain, the human being, s'attache facilement à ce qui est faible. Easily binds himself to that which is weak. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Quand tu acceptes la compagnie de quelqu'un, when you accept the companion of somebody, il a déjà gagné du terrain dans ta vie. He has already won some grounds in your life. Et la réalité future, and the future reality, ce n'est pas la personne qui va changer. It's not a person who is going to change. C'est toi qui va changer. It's you who are going to change. Parce qu'il y a un don de soi d'abord. Dans une relation tacite, il y a déjà un don. Si quelqu'un te dit, allons à la réunion, vous marchez ensemble, c'est déjà un accord sans l'être. When you walk together with somebody, they say, let us go together to the meeting, and you are walking to go together. Il y a déjà un contrat entre vous. There is already an agreement, a contract between you, without which is not written. La vitesse même pour aller à la réunion est déjà modifiée parce que soit tu suis son rythme, soit il suit ton rythme. Even the speed for you to go to the meeting is already modified because either you follow his rhythm or he follows your rhythm. Si toi tu veux aller prier, if you want to go to pray, et lui, and he, il n'a aucune intention d'y aller. Has no intention to go to pray. D'abord, il a sa vitesse. First of all, he has his speed. Qui ne tient pas compte de la prière. Which does not take into account prayer. Et toi, tu as la vitesse qui tient compte de sa vitesse. And you have a speed that takes into account the prayer. Vous êtes là. Vous n'êtes pas pressé. So you are there. You are not in haste. Lui, il est mauvais. Toi, tu es bon. He is bad. You are good. Tu veux l'amener à Christ? You want to bring him to Christ? Tu dis ma relation avec lui c'est pour l'amener à Christ. You say my relation with him is to take him to Christ. Quand tu lui dis allons accélérons un peu on va arriver en retard. When you say let us hurry up because we get there late. Il dit ton problème c'est que tu as peur de l'homme. He says your problem is that you fear man. Faut craindre Dieu. You must fear God. Et puis? And then? Tu poses un acte, dit frère. Vous exagérez. You take an action, he said, brother. You exaggerate. Vous pensez que vous serez sauvé vous seul? Do you think that you alone will be saved? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. The evil companions corrupt good characters. Et dit frère, nous on a gêné. Quelqu'un m'a dit, nous on a gêné. Somebody told us we fasted. On a fait ce jeûne de 40 jours. We have carried out this fasting. Toi, tu es nouveau. You are a new man. Calme-toi. You are a newcomer. Cool down.
tu commences à réfléchir. You start thinking. Ah, ils ont jeûné. So they fasted. Moi, je viens de commencer. I have just started. Il te dit, va doucement. He said, go slowly. Nous, oui, nous étions là au commencement. We were there in the beginning. Le pasteur Meunier, je le connais. Pastor Meunier, I know c'est him. Un Camerounais, non? Oui. He is a Cameroonian, yes. Après, and after, tu tombes, you fall, dans le piège, in the trap, pour te sortir de là, for you to be taken out of there, ça devient difficile. It becomes difficult. Tu es tombé depuis le jour, you fell, starting from the day, où tu as dit, il sera mon ami. When you decided that it should be tous les frères que tu vois, tu choisis un seul. The brethren that you see, you choose only one. Qui n'a pas de maître, pas de règles. Il vit comme il veut, indépendant, orgueilleux. No master, no rule. He lives il calomnie, like il murmure. And he has no rule. He's independent. He slander. He murmurs. Il ne craint même pas Dieu, même un peu, même les païens même. He does not fear God a bit, even unbelievers. L'exhorte que toi, si tu vas avec ces gens-là, sois vrai. That if you go with these people, be true. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les mauvaises compagnies. Evil companions. Corrompent les bonnes mœurs. Corrupt good character. Il y a une puissance. There's a power. Dans les mauvaises compagnies. In the evil companions, qui détruit la morale de ceux qui sont corrects. That destroy the moral of those who are correct. Pour t'en sortir, for you to get out of there, il faut dire non systématiquement. You must say no systematically. J'ai fait des progrès dans la foi. I made progress in the faith. Parce que je m'étais attaché because au frère qui était sérieux. I bound myself to a brother who was serious. À l'est, c'était à Bertrois. L'assemblée, c'était une petite assemblée. In the east, it was in Bertrois, and it was a small assembly. C'est au Cameroun. It is in Cameroon. C'est là-bas que se trouve notre quartier général. There, our headquarters can be found there. Quand je vais au lycée le matin, when I go to high school in the morning, je passe saluer les dirigeants. I pass by the leaders to greet them. Et je continue au lycée. When I continue to high school. Quand je reviens le soir, parce que j'ai passé toute la journée au lycée, when I come back in the evening because I spent all the time in the school, j'ai déposé mon sac. I put my bag. Je partais d'abord saluer les dirigeants. I first of all went to greet the leaders. Mon père en Christ et son co-ouvrier. And his co-worker. Je revenais maintenant étudier. Later on come to study. Quand je fuyais les bruits, when I was fleeing the noises, j'allais étudier chez un frère qui était pauvre. I went to study in the house of a brother who was poor. Mais il était sérieux. But he was serious. Mais j'étais à l'aise avec lui. But I was well at ease with him. Pourtant, il n'avait rien. Yet he had nothing. Des relations intéressées, je n'étais pas dedans. Relation with interest, I was not in it. Ça fait que même là où j'étais faible, and because of this, even where I was weak, que je pouvais tomber, that I could fall, j'avais toujours la force pour résister. I always had the strength to resist. Ton choix, your choice, de l'environnement, of your environment, la construction de ton environnement, the construction of your environment, peut devenir un gros piège, can become a big trap. Tu appelles qui? Quand tu te réveilles le matin, tes premiers coups de fil, les 10 premiers coups de fil sont à qui? When you get up in the morning, your first 10 phone calls are directed to whom?
ton environnement, your environment, est un piège. Is a snare. Quand il est mal choisi, when it is not well chosen, mal construit, well constructed. Je me souviens, un frère a dit à un autre frère, I remember a brother told another brother, il fallait la beauté. That you should have kicked her. Quand tu as un ami qui te dit qu'il fallait beauté, when you have a friend who told you that you should have kicked her, tu vas aller où? Where will you be going? For beauté. Kick her. Après vous parlez en langue, alors regarde ça, regarde ça. And after you speak in tongues. Fallait beauté. And you should have kicked her. Même si tu entends ça même une fois, c'est suffisant pour casser. If you hear it, you hear this only once, it's enough to break that friendship. Les mauvaises compagnies. Evil companions. Corrompre les cœurs. Corrupt hearts. Dieu peut t'appeler à une vie de jeûne. God can call you to a life of fasting. Mais tes amis, tes vrais amis, but your true friends, quand il prend un jour, when they take one day, il te dit que lui, quand lui jeûne un jour, Dieu multiplie ça par 40. He can tell you that when he takes one day, God multiplied this by 40, and that it is faith. It is faith. Donc, c'est ton ami. Un jour, but it is your friend. One day, il te dit qu'on va rompre le soir avec action de grâce. He tell you, we are going to break the fasting in the afternoon with Thanksgiving. Vous rompez un jour. And you break. Tout le reste, c'est de critiquer les autres. Celui-ci, il n'a pas la révélation de Christ. Tu vois comment il a maigri. Yeah. Allons. And after, it is just to talk about, to criticize the other. You see this one, he does not even have the revelation of Christ. Do you see how he has gone skinny? Vous critiquez, critiquez. You gossip and gossip. Tous ceux qui se gênent, vous critiquez. All those who au début, tu ne critiques même pas. Ne parle pas comme ça, ne parle pas. In the beginning, you did not criticize. You said, don't speak like that. Après, tu commences aussi. And after, you also start. Tu as raison. You are right. Les mauvaises compagnies, the evil companies, corrompent les bons. The good characters. Écoutez. Listen. Cette lettre n'est pas écrite aux païens. That letter is not addressed to unbelievers. C'est pour cette raison que Paul dit, that's why beaucoup says, d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je dis ça à votre honte. Many in your midst do not know God, and I say this to your shame. C'est-à-dire que si les autres, that is if the others, que nous connaissons bien, entendent ça, that we know well, hears this, mais c'est honteux. It is shameful. Que il y a parmi eux, so in the midst, des gens qui murmurent, who murmur, qui insultent, who insult, qui font de faux commentaires, who do false commentaries, qui critiquent les doctrines, and criticize doctrines. Ils ne baptisent pas. They do not baptize. Ils disent que Jésus est déjà venu. They say that Jesus has already come. Il dit non. He says no. Revenez à vous-même. Come to your senses. Et ne péchez pas. And do not sin. Revenez à vous-même. Come back to your senses. Les mauvaises compagnies détruisent la moralité. Evil companions destroy morality. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Soulignez, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu. On the line, some, a few ones in your midst do not know God. Il veut dire que je ne devrais pas le dire, mais je suis obligé de le dire. You could say that I shouldn't have said it, but I am compelled to say it. Frère, brethren,
Tu quittes le monde. You leave the world. Tu entres dans la maison de Dieu. And you come into the house of God. Et tu es mordu par la vipère. And you are bitten by the viper. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Pourquoi? Why? C'est le diable. It is the devil. C'est un piège. It's a s'il te montrait la vipère, if he showed you the viper, tu allais la tailler en pièces. You would have cut it into pieces. Quand Satan passe par un faux frère, when Satan uses a false brother, il peut faire des progrès. He can make progress. Les faux frères peuvent faire avancer l'œuvre du diable. False brothers can make the work of the devil go forward. Il y a des règles d'or. There are golden rules. Vous êtes jeune. You are young. L'une des règles d'or. One of the golden rules. N'accepte pas les accusations contre les anciens. Do not accept accusations against the elders. Parce que nous sommes les bâtisseurs. Because we are builders. Quand tu trouves une maison, when you find a house, et tu trouves le père de famille, and you find the head of the family, et qu'ils vivent ensemble depuis 25 ans, and they are living together for about 25 years. Et quelqu'un te dit, and somebody tells you, le chef de cette famille est un Satan. The head of this family is a Satan. Et tu dis, oui, oui, oui. And he said, yes, yes, yes. C'est possible. It's possible. J'ai vu ça en vision. I saw it in a vision. Il faut faire attention. You must pay attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si c'est un jeune converti, if he's a young convert, il faut discerner. You must discern ce qu'on dit de lui. What is said about him? Si c'est un ancien, if it is an elder, le chemin qu'il a parcouru, the way that he has already gone, demande que tu sois calme. Requires you to be calm. Que tu discernes. And that you discern. Si l'accusation est vraie. If the accusation is true. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si une œuvre doit réussir. If a work is to succeed. La jeunesse, the youth, doit se mettre à part. Must set itself apart. Première chose. First thing. Refuser la compagnie de tous les mondains. Refuse the companionship of all the worldly people. Dans un camp comme celui-ci, in a camp like this one, il y a des mondains dedans. There are worldly people in it. Et en leur disant, je ne les insulte pas. And while saying this, I'm not abusing them. Mais nous devons les amener à Christ. But we should bring them to Christ. C'est la question que le président Lewis posait. It's the question that President Lewis was asking. Il est illusoire de penser que tous connaissent Dieu. It is an illusion to think that all know God. Tous ne connaissent pas Dieu. All do not know God. Si tu n'es pas vrai envers toi-même, if you are not true towards yourself, quand tu viens, and you come, tu vis dans le péché, you live in sin, et on avance, premier jour, deuxième jour, troisième jour, and we move on, first day, second et day, dernier day, jour, and the last day, on dit lève les mains, say, raise on va vous bénir. We bless you. Tu lèves les mains raise dans l'hypocrisie, in hypocrisy, et on te bénit. And we bless tu dis amen. You say amen. Ça, this,
Tu provoques Dieu. You are provoking ce n'est God. Plus même, ce n'est plus contre Satan, c'est contre Dieu lui-même. It's no longer against Satan, it's against God himself. C'est pour cette raison qu'il est dit. That's why he said, ils font profession de connaître Dieu. They claim to know God. Mais ils renient Dieu par leurs œuvres. But they deny God by their work. Ils arrivent. They come. Là où il faut s'ouvrir pour être sauvé. Where they have to open their hearts to be saved. Ils endurcissent le cœur. And they harden their hearts. Et ils critiquent, ils s'en vont. And they criticize, they gossip and go. Et ils disent que tout chemin mène à Rome. And they say that every way leads to Rome. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Is there somebody in your midst? Avant qu'on ne continue. Before we continue. Qui est convaincu? Who is convinced? Que Dieu veut qu'il change. That God wants him to change. Que ce n'est pas une affaire de religion. Il est convaincu. It's not a matter of religion. Il entend la voix de Dieu. He's convinced. He hears the voice of God. Il refuse la séduction. He refuses deceit. Il sait que c'est un piège du diable. He knows that it is a trap of the devil. Que le diable veut le condamner dans l'infidélité et l'hypocrisie. And that the devil wants to condemn him in unfaithfulness and hypocrisy. Quand les enfants de Dieu chantent et sautent, lui aussi chante. Il saute même plus que tous les enfants de Dieu. When the children of God sing and jump, he also sings and even jump more than the children of God. On dit prier, il prie. We say pray, he prays. On dit prions en langue. We say let us pray in tongues. Il observe ceux qui sont à gauche et à droite. He observes those who are left and right. Il commence là 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 là. And he starts la 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 la. Et il rentre dans son péché. And he goes back in his sin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there somebody qui veut sortir de ce mensonge? Who wants to get out of this pour devenir un vrai enfant de Dieu? And become a genuine. Même si tu es le seul. Even though you are the only one. On va te présenter au Seigneur tout de suite. We present you to the Lord right now. Et tu vas rentrer étant purifié, lavé, sanctifié. And you'll go back being purified, washed and sanctified. Si c'est toi. If you are the one. Lève la main. Raise your hand. Est-ce qu'il y a une main? Oui, venez, venez. Is that a hand? Yes, come. Venez rapidement. Come here quickly. Venez. Come. Tiens, Satan, je m'en vais. Tell Satan, I'm going. Je veux servir Jésus. I will serve Jesus. Je refuse les pièges. I refuse the snares. Je refuse ta ruse. I refuse. Je refuse tes mensonges. Your cunning and lies. Je veux être un vrai enfant de Dieu. I want to be a genuine child of God. Je refuse de vivre dans l'hypocrisie. I refuse to live in hypocrisy. Je veux être un vrai enfant de Dieu. I want to be a genuine child of God. Je refuse d'être un religieux menteur. I refuse to become a religious liar. Je refuse d'être un religieux menteur. I refuse to be a religious liar. Un adorateur de bougies et de chapelets. A worshipper of candles and rosaries. Un esclave de faux prophètes. A slave of false prophets. Je veux. I want servir Jésus. To serve Jesus. Je veux. I want servir le vrai to serve Dieu. The true God. Je veux. I want servir Jésus. Serve Jesus. Je veux servir Jésus. I want to serve Jesus. Je veux me mettre à part. I want to set myself apart. Je quitte le mensonge. I leave lies. Je quitte le mensonge. I abandon lies. Je quitte le mensonge. I abandon lies. Je quitte le mensonge. I quit lies. Je quitte le mensonge. I quit lies. Je quitte l'hypocrisie. Je quitte l'hypocrisie. I quit hypocrisy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi comme un jeune et viens en courant. Stand up like a youth and come running. Ne perds pas le temps. Do not waste time. Tu es délivré des pièges. 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 Tu es délivré des pièges de Satan. You are delivered from the snares of Satan. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus.
Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Ne rentre pas comme tu es venu. Do not go back as réconciliation totale avec Jésus. Total reconciliation with Jesus. Les mauvaises compagnies evil companions corrompent les bonnes mœurs. Corrupt good manners. Tu changes de camp. You change tu side. Changes d'amis. You change your friends. Tu changes de foi. You change your faith. Tu deviens normal, and you become enfant normal. De Dieu, and engagé, committed. Pleinement, fully dans les desseins de Dieu. In the purposes of God. Les faux pasteurs ne te verront plus. False pastors will no longer see you. Si quelqu'un t'a gardé dans l'ignorance jusqu'à ce jour, if somebody kept you in ignorance up dès to que this ton day, voile tombe, as soon as your veil falls, le Seigneur lui-même te donne des vrais bergers. The Lord himself gives you true il a dit shepherd. Dans sa parole, said in his word, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. I will give you shepherd according to my heart. Et ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. And they will feed you with wisdom and intelligence. C'est un changement radical. It's a radical change. Tu quittes les ténèbres. You quit. Tu entres dans la lumière. Darkness and you enter tu quittes light. Le mensonge. You quit lies. Tu entres dans la vérité. Enter in the truth. Tu quittes la puissance du diable. Quit the power of the tu entres sous la puissance de Dieu. And you come to the power c'est of une God. Transformation totale. It's a total transformation. Tu ne quitteras pas ici. You will not leave here pour aller encore adorer les fétiches. To go back and worship the fetish ou aller souffrir to go and suffer sous le joug des faux pasteurs under the yoke of false pastors qui te trompent que Jésus est mort, tu peux pécher. Who deceive you that Jesus is dead, you can sin. Et dit c'est la grâce. Say it is a fini le mensonge. Free, quit lies. Pour vous consacrer à la vérité. To come and consecrate yourself to le truth. Seigneur sera avec vous, même si tu es dans un village seul. Dieu sera avec toi. The Lord will be with you, even though you are in a village alone. God will be with you. Il sera avec toi. He will be with you. Ne crains rien. Fear nothing. Et puis tu seras fort. He will be strong. Tu seras intelligent. He will be intelligent. Il va laver ta tête. He will wash your mind. La Bible dit avant. But the Bible said in the tu ne connaissais pas la vie de Dieu. You did not know the life of God. Maintenant, Dieu va te montrer le chemin pour vivre sa vie. And now God is going to show you the way to live His life. Ça va t'étonner. You will be astonished. Tu auras une intelligence. You will be a clear understanding. Tu comprends les Écritures. You have a clear understanding on that understands te the Scriptures. On no one will be. Tu vas gagner les âmes pour Christ. You will win souls for Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Est-ce que tout le monde est déjà venu? Is everybody already here? Acclamez pour détruire les chaînes. Clap to destroy. Acclame très fort. Clap loudly. Dis Jésus. They say Jesus. Est vainqueur. He is overcomer. Acclame, 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 acclame. Clap, clap, clap. Acclame, acclame, acclame. Clap, clap, clap. Acclame, 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 acclame. Clap, 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 clap. Acclame, acclame. Jésus-Christ. Jesus Christ. Qui autre? Who else? Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Là où vous êtes, where you are, même si on t'avait envoûté, in your current condition, even though you have been bewitched, c'est brisé. It is broken. Le Seigneur a dit, the Lord said, je suis sur le point de faire toutes choses nouvelles. I am about to do everything new. Toi qui croyais que c'est fini pour toi, you who thought it is over for you, Jésus, Jesus, fait des choses, il va faire de nouvelles choses dans ta vie. He's gonna do new things in your life.
Il va te transformer. He will transform you. Un jeune homme a prié ici l'autre jour. A young man prayed here the other day. Il allait à l'examen du bac 4 fois. He said that he sat for the A-level certificate 4 times, 0. 4 fois. 4 times. Il est venu à la prière. He came to prayer. Les démons se manifestent. The demon manifested himself. Quand on le délivrait, when we are delivering him, il a vu qu'on apportait la tête. C'était la tête de quoi? La tête de dragon était là. Ce n'était pas sa vraie tête. On a enlevé, on a mis sa vraie tête. He saw that il a vu. Ce n'est pas qu'on lui dit que quelque chose s'est passé dans ta vie. Lui-même a vu la vision. He had a vision in which they removed the head of a dragon and put his genuine head. Ça va t'arriver. This will happen to you. Même si on a enterré. Even if you have been buried. C'est fini. It's finished. C'est fini. Finished. C'est fini. Finished. Sois sérieux seulement. Just be serious. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Sois ferme. Stand fast. Maintenant, lève ta main. Now raise your hands. Tu vas répéter après moi. We are going to repeat after me. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tu m'as amené ici pour me transformer. You took pour me transformer. Here to transform me. Je le crois. I believe it. Je le discerne. I discern it. Et quand tu as lancé l'appel ce matin, and then when you launched the call this morning, je n'ai pas résisté. I didn't resist. Me voici. Here I am. Prends-moi. Take me. Je suis sale. I am dirty. Je le sais. I know it. Par mes pensées, mes paroles et mes actes. By my word, my deeds. Par mes paroles, mes pensées, mes actes. By my word, my thoughts and my deeds. Oh Jésus. Oh Jesus. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Je cesse d'être hypocrite. I stop to be hypocrite. J'entre dans la lumière. I enter the light. J'entre dans la lumière. I enter the light. Je laisse l'immoralité. I abandon immorality. Je laisse le mensonge. I abandon lies. Je laisse l'idolâtrie. I abandon idolatry. Les rancunes. Grudges, les jalousies. Jealousy. Oh Seigneur. Oh Lord. Mes péchés sont nombreux. Oh, my sins are many. Mais pardonne-moi seulement. Forgive me, Lord. Et lave-moi. And wash me. Pardonne-moi. Forgive me. Et lave-moi. Wash me. Si on me demandait de les projeter. If I was asked to project them. Sur un écran. On the screen. Je ne l'accepterai jamais. I will never accept. Parce que c'est sale, honteux. Because it's shameful. Je suis brisé, brisé, brisé. I'm broken, broken, broken. Je supplie seulement. I only beg you. Que tu me pardonnes. That you forgive me. Je supplie seulement. I only beg you. Que tu me pardonnes. Forgive me. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Guéris-moi Seigneur. Heal me Lord. J'ai un corps fatigué. I have a weary body. Chargé de maladies. Full of diseases. Seigneur. Lord. Oh Seigneur. Oh Lord. Guéris-moi. Heal me. Enlève tous les blocages. Remove all the blockages. Il y a les blocages. Yeah, there are blockages. Il y a les douleurs. There are pains. Il y a le péché. There is sin. Il y a les maladies. There are oh, sanctifie-moi. Oh, sanctify me. Et guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Du Seigneur. The Lord. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de toute la malédiction de la famille. To be separated from all the curse of the family. J'accepte. I accept qu'on brise tous mes mauvais liens, that all my evil ties, les liens de sorcellerie, ties of witchcraft, les liens de malédiction, ties of curse, les liens d'idolâtrie. Ties of idolatry. J'accepte qu'on me sépare de toutes ces choses. To be separated from all je reçois ta vie en moi. I receive your life in me. Je reçois ta lumière. I receive your light. Je veux demeurer dans ta lumière. I will remain in the light. Je veux demeurer dans ta lumière. I will remain in the light. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Donnez-leur les chaises, ils vont s'asseoir. Give them chairs, they will sit down. Les conseillers vont s'occuper d'eux. The advisors will. Vous vous asseyez comme des princes. You sit down like princes. Qui a son sac quelque part? Who has his bag somewhere there? Donc, dès qu'on finit de vous enregistrer, vous regagnez vos places.
When they finish taking your name, you go back to your seat. Les conseillers. The advisors. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there somebody? Un serviteur de Dieu qui est dans la foule. A servant of God who is in the crowd. À qui Dieu a demandé de venir avec nous. To whom God asked to come with us. C'est une révélation. It's a revelation. Il sait très bien. He knows well que Dieu lui a dit, va à la CMC. That God told him, go to CMFI. Serre-moi avec les enfants de la CMC. Serve me with the children of CMFI. Je ne veux pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. I don't want somebody who doesn't know where he's going. Parce que Dieu m'a promis. Because God has promised me. Qu'il va envoyer certaines personnes. That he venir adorer avec nous et servir. Some people to come and worship with us. Donc, quand je pose la question, so I ask the question, je sais ce que je fais. I know what I'm doing. Et ceux qui m'attendent, si tu fais partie de ceux-là, tu sais que tu es déjà concerné. You know that you are concerned. Si c'est toi, lève la main. If you are the one, raise your hand. Et s'il y a un tel homme, une telle femme, is there such a man, such a woman? Viens ici, viens. Come here. Venez ici. Come here. On ne te tu sais, ce n'est pas une exhortation qu'on te donne. It's not an encouragement that we give you. You know, it is in you. Oui, qui autre? Who else? Le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé. The Holy Spirit of God spoke to you. Tu le sais très bien. You know it well. Venez. Come. Cinq personnes disent merci pour les engagements à suivre Jésus. Five people to come and give thanks to the Lord for the commitments to follow Jesus. Seigneur, nous te disons merci. Merci beaucoup pour le salut que tu as accordé à tes enfants. Merci pour tous ces engagements. Nous te bénissons et nous les cachons sous le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père Saint, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour le salut de nos frères. Merci pour leur conversion que tu envoies à l'existence. Merci, 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 merci. Que tout l'honneur te revienne. Nous cachons effectivement tous ces engagements sous le sang de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce grand travail abattu en ce jour. Père, merci pour le salut de nos bien-aimés frères et sœurs. Merci, Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour la conversion de ce jour. Nous prions, Père éternel, que les engagements soient protégés, cachés dans ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.